Je vous souhaite un excellent mardi. Aujourd'hui, belle journée partout à travers la province. Quelques passages nuageux sans pluie. Côté température, on est en dessous des normales de saison, de 2 à 5 degrés. Et les vents, toutefois, sont plus faibles que ce qu'on a connu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, des vents de 10 à 20 km à l'heure partout à travers la province sans pluie. Cette nuit, la pluie va débuter du côté de Val-d'Or. Donc, c'est de la faible pluie demain pour vous tout au long de la journée. Ça débute en matinée du côté de Gatineau, en après-midi du côté de Montréal. Pour le centre de la province, belle journée pour vous. Quelques nuages en après-midi avec un 40 % de probabilité d'averse, tandis que dans l'est, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, très belle journée. Et il y a un autre système qui affecte la péninsule gaspésienne. Donc, pour demain, mercredi, c'est couvert avec des averses. Si on jette un coup d'œil maintenant au long terme, pour jeudi, c'est vraiment le centre et l'est de la province qui vont connaître des nuages. En matinée, oui, c'est couvert du côté de Val-d'Or et Montréal, mais ça se dégage assez rapidement. Et dans l'est, vous, journée plus grise jeudi, mais la bonne nouvelle, c'est que vendredi, c'est le retour du soleil à la grandeur du Québec. Il y a un 40 % de probabilité d'averse du côté du Bas-Saint-Laurent et samedi, du soleil à la grandeur de la province. Si on regarde un peu plus en détail, tout d'abord, pour la journée de jeudi, alors les secteurs du corridor nord, 40 % de probabilité d'averse du côté de Val-d'Or, c'est couvert pour Saguenay en allant vers l'est. Oui, en matinée, il y aura des averses, mais ça va cesser là, durant la journée. Vendredi, retour du soleil, légèrement plus confortable. Et samedi, belle journée ensoleillée. Bonne journée.